Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour le tag portrait chinois que j'ai regardé en fait chez Bébé Pulpeuse. Et donc je vais répondre aux questions normales et aussi aux questions qu'en fait que Bébé Pulpeuse a rajoutées, même si elle ne l'a pas mis dans sa barre d'infos. Donc je les ai rajoutées sur le côté et voilà. Donc les questions, c'est si je serais, voilà, qu'est-ce que je serais? Donc un animal, je pense évidemment que je serais un chat. Parce que ça a une vie pépère, c'est câliné, machin, enfin j'adore. Une plante, je pense que je serais une rose. Une ville, Besançon, sans hésiter, puisque c'est ma ville favorite. Un plat. Alors un plat, c'est peut-être un peu plus compliqué. Je pense que je serais un plat composé tel que une paella. Parce qu'il y a plein de choses à découvrir à l'intérieur. On peut vraiment mettre plein de choses. Et moi j'adore. Donc voilà. Une musique. Alors en ce moment, je suis beaucoup, donc encore une fois, dans la musique de Cascadeur. Walker. Donc voilà, j'adore cette chanson. Un produit de maquillage, donc je pense que je serai un rouge à lèvres. Un produit de beauté, je pense que je serai une eau tonique. Ouais, telle que ma préférée, Estelle et Tilde. Parce que j'adore me mettre ça le matin sur le visage, donc je pense que je serai ça. Une catastrophe naturelle, ouh. J'en sais rien. Un volcan en éruption. Une espèce disparue. J'en sais rien. Une espèce disparue. Tu penses pas, puisqu'elle a disparu, tu y penses pas. Qu'est-ce qu'il y a qui a disparu? Franchement, je saurais pas quoi dire parce que j'ai aucune idée. Après, tu penses aux dinosaures, oui, mais quel dinosaure? Donc, je veux dire dinosaure, quoi, à la limite, voilà. Une femme ou un homme? Une femme. J'en sais rien en fait, parce qu'il faudrait voir comment ça se passe chez un homme pour savoir. Ça a quand même les bons côtés, l'homme, puisque. Ça n'a pas ses règles tous les mois, ça accouche pas, il n'y a que si ce soit la plus belle chose, c'est aussi la pire, ben voilà. Mais bon, peut-être une femme, ouais, non, je serais plutôt une femme, je pense comme je suis. Créature de légende, un vampire. Une arme. Un tir à l'arc. Une paire de chaussures. Une paire de chaussures. En fait, je prends ce que je. Je pencherais plutôt pour une paire de chaussures ouvertes avec des tout petits talons, comme celles que j'ai eues cet été parce que je les adore. Un accessoire, une paire de boucles d'oreilles, une fringue. Je pense que je serais une robe qui met les femmes à l'aise. Qui ne soit pas trop serré, qui soit juste comme il faut et qui arrive au genou. Station de métro. Alors vu que j'ai pas de métro chez moi et puis que j'ai jamais pris le métro, aucune idée. Le métropolitain, c'est ça? Ouais, c'est le métropolitain. On va dire hein, celui qui est le plus connu. Un grand magasin, c'est-à-dire un grand magasin. Grande surface? Bon, si c'est les grandes surfaces, je pense que je dirais. J'en sais rien. J'ai un casino. Pour un magasin normal, je pense que je pencherais plus pour Monoprix ou les Galeries Lafayette.
Ensuite, créature de cartoon. Un cartoon. Enfin, un dessin animé, quoi. Dessin animé, qu'est-ce que j'ai mis? Blanche-Neige. Blanche-Neige. Une série de télé. True Blood, évidemment. Je pense que. Voilà. Pour une émission de télé, j'ai posé la question. Moi, même si c'est pas de temps. Donc pour une émission de télé, je dirais Belle toute nue. Allez. Oui, même si ça fait beaucoup débat ces derniers temps. Opération de chirurgie esthétique. Les seins, quoi. Je sais pas, ouais, les seins. Une insulte. Va chier. Je dis souvent va chier quand je suis énervée. C'est gentil, on va dire, quand même. Play, un truc hyper pénible. Je pense que je vais pas chercher trop longtemps. C'est les voisins du dessus. Je supporte pas le bordel qu'ils mènent sans arrêt. Ils sont très gentils, machin. On leur a jamais rien dit. Bien que des fois je gueule gentiment depuis chez moi parce que j'en ai marre. En fait, c'est difficile de vivre quand on a des gens au-dessus, enfin des gens en dessous même, parce que du coup, enfin, j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte, qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'en dessous il y a des personnes qui vivent là et qu'il faut les respecter. Donc voilà, je supporte pas, je supporte pas. En fait, même le gamin, des fois, assez tard le soir. Continue à jouer et quand on est au lit et qu'on voudrait dormir, c'est pas facile. Donc voilà. Mais bon, après, ils sont très gentils. Phobie. Alors, une phobie très conne, j'ai envie de dire. C'est la peur du vide. Enfin, c'est le vertige, ouais, mais en même temps, un vertige complètement con, puisque même à quelques marches, je n'aime pas. Je me sens mal à l'aise. Et dès que j'ai plus de pied, je n'aime plus pas non plus. Je panique. Donc voilà. Une phobie assez bizarre. Matière, l'art plastique. Créateur de mode. J'en sais rien. Si je veux pas vous dire. Je pense que ce serait Jean-Paul Gaultier. Ouais. Un bouquin. True Blood encore une fois. Que je suis extrêmement fan. Smartphone, ben, si j'aurais le choix, je serais un iPhone. Et autrement, le mien, le HTC Chacha est très très bien aussi. Ensuite, je vais répondre aux questions de Baby Pulpeuse. Un bonbon. Alors, si je serais un bonbon, je pense que je serais les petites boules blanches au. Enfin, c'est du sucre glace avec à l'intérieur le caramel. J'adorais quand j'étais petite et j'adore encore aujourd'hui. Une voiture, j'en sais rien. Je pense que ce serait une voiture assez où on est à l'aise dedans, ou une voiture 5 portes telle que les Scéniques, quelque chose comme ça, j'aime bien. Un instrument, une harpe, un meuble. Une commode, une coiffeuse, un gâteau, alors j'aime bien la tarte meringuée dans les tartes, après dans les gâteaux, je suis pas très très gâteau en fait. Et ouais, je suis pas très très gâteau, donc voilà. Sinon j'aime bien ceux qui sont dans les rayons frais, les gâteaux au fromage blanc, je trouve ça super bon. Donc voilà. Pour ça. Ensuite, j'avais mis une déco. Si je serais une déco, je serais une boîte à bijoux. Ensuite, j'avais pensé à un truc aussi, mais je sais plus ce que c'est. Un bonbon, une voiture, un instrument. Une boisson. On l'a pas dit ça, une boisson. Ou alors je l'ai raté. Enfin, je serais une boisson. Je pense que je serais le Coca-Cola Chéri. Parce que j'adore, je trouve ça trop trop bon.
Et puis, si je serais un parfum, je serais un parfum sucré. Un parfum sucré et fruité. Et si je serais une boisson alcoolisée, pardon, je serais un vin moelleux, tel que le tariki. Voilà. Donc après, je pense qu'on peut tous mettre un petit peu, en fait, on peut tous mettre un petit peu des petites questions. Enfin, si je serais une couleur aussi, je pense que je serais rose. Voilà. Donc voilà, si vous avez aussi, vous aussi, si vous avez envie aussi de le faire, n'hésitez pas. Je trouve ça super sympa. Donc voilà, à bientôt!